Salutations et bienvenue dans un nouvel épisode de Guide sur les quêtes RuneScape. Aujourd'hui, nous allons réaliser la quête Histoire de Gobelins en temps réel. Pour accomplir cette quête, il vous faudra une teinture orange, une teinture bleue et trois armures de gobelins. Ces armures peuvent être trouvées gratuitement dans le village des gobelins. Pour faire un petit résumé de la quête, deux clans de gobelins s'affrontent dans des combats à mort pour trouver la bonne couleur d'armure qu'ils porteront. Aidez-les à résoudre leurs différends en trouvant une nouvelle couleur pour leur armure et en finir avec l'émeute qui s'éclate au sein de leur tribu. Pour commencer, il faudra teindre vos trois armures de gobelins en différentes couleurs. Si vous n'avez pas encore vos armures, voici la méthode à faire. À l'entrée du village des gobelins, montez à l'échelle à votre gauche. Fouillez la caisse à côté de vous, redescendez et allez à l'ouest du village pour fouiller la deuxième caisse. Rendez-vous au nord complètement et fouillez la troisième caisse. Têtez une armure en orange et l'autre en bleu. Allez parler à l'un des deux généraux gobelins. Sélectionnez la deuxième option. La deuxième option. Sélectionnez encore la deuxième option. Sélectionnez la troisième option. Acceptez la quête. Utilisez l'armure orange sur l'un des généraux. Utilisez l'armure bleue sur un des généraux. Utilisez l'armure que vous n'avez pas teinte sur un des généraux. Félicitations, vous avez terminé la quête Histoire de Gobelins, ce qui vous donne 5 points de quête, une lampe de 200 XP en artisanat, un lingot d'or et bien sûr deux clés de chasse au trésor. Et voilà, c'était aussi simple que ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochains guides de RuneScape. Et bien sûr de mettre un like, ça aide grandement à soutenir la chaîne. Sur ce, à très bientôt. Ciao bye!